Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Enron pour le 8ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Banished saison 3. Et donc je vous avais laissé la dernière fois en disant que j'allais jouer un petit peu tout seul dans mon coin, faire durer le temps. Et j'ai fait pas mal de choses un petit peu dans mon coin, j'ai fait pas mal de maisons. Il y a eu pas mal de naissances, vraiment beaucoup de naissances, je vais vous montrer. Du coup j'ai dû un petit peu rééquilibrer au niveau de la nourriture et c'est pas encore fini. Je pense qu'on va s'en occuper dans cet épisode. Allez, c'est parti! Donc voilà, petite pause pour vous montrer, on est à 76 adultes, 11 étudiants, 18 enfants, c'est pour vous dire. Et surtout, des nomades sont arrivés en ville. Des nomades sont arrivés en ville, donc 9 nomades en plus. Boum, 82 adultes, on est plutôt bien. On est même tellement bien qu'on n'a plus assez de nourriture en fait. Je l'ai passé à 15 000, mais voilà, on est qu'à 9 000. Je pense qu'on a un petit manque de nourriture à l'heure actuelle. Il faut qu'on fasse des trucs, il faut qu'on corrige un petit peu ça. J'ai mis un cueilleur là-haut, mais je suis pas sûr que ça suffise. D'autant plus que je pense qu'il y a pas assez de maisons ici. Ah, mais il y a une maison qui est en train de... Ah oui, une maison qui est là. Je vais regarder un petit peu d'ailleurs. On va regarder un petit peu le cheminement. Normalement, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Hop. Ouais, d'accord. Il n'y a pas assez de maisons là-haut. On va faire une nouvelle maison. Hop, ici. Donc je vais monter un petit peu. Hop, nourriture, enfin machin. Là on a 6 personnes. Mais c'est, alors, 2 herboristes. On va aller là-dessus. Il nous faut plus de nourriture. Et on va avoir un gros souci. Là je pense qu'on a, j'ai un petit peu trop exagéré à ce niveau-là. Pourtant tout le monde est à fond, là, les fermiers, tout ça, tout est à fond. Mais peut-être qu'on a, on n'a pas assez de nourriture. Sachant que j'ai aussi acheté des cerises, si je me souviens bien. Acquisition cerise, oui, j'ai des cerises. Et ben allons-y pour un petit parterre de cerisiers. Même si j'aurais bien aimé d'autres ressources plutôt que des cerises, parce que pour le coup, c'est des vergers encore. C'est pas exactement ce que je voulais. Bon, tant pis, on va faire avec la même taille, le plus grand qu'on peut, 15 par 15. Ça me semble plutôt pas mal. On va construire ça. On a énormément de population, je regardais un petit peu au niveau du graphique. Voilà, on est carrément passé au-dessus de la barre d'essence, c'est la première fois que j'y arrive. Sur 25 ans, c'est une sacrée évolution, on a presque doublé sur 25 ans, c'est énorme. On a 40 maisons pour 43 familles, donc autant vous dire qu'il nous manque encore de quoi construire tout ça. Il y a encore des naissances, c'est juste dingue, c'est complètement dingue. Il y a beaucoup de choses à faire du coup. Il y a énormément de choses à faire. Ici, ça va être pour les vergers. On a un nouveau travailleur. Oh là là. Ça avance beaucoup. On va accélérer un petit peu sous ça. Il y a des naissances. J'ai peut-être un peu peur d'ailleurs qu'il y ait... Vu qu'il y a tellement de monde. J'ai peur que ça nous mette dans la mouise à un certain moment. J'ai peut-être monté au niveau aussi du combustible. Passer à 1000. J'ai un peu peur qu'à un moment, ça nous consomme beaucoup trop sur la figure, en fait. Cerise, allez. Ok. Va nous falloir d'autres choses. Va nous falloir clairement d'autres choses. Le problème, c'est que une hutte de chasse, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hop. Hop. Deux constructeurs, ils doivent être en train de construire ça. Faire une autre maison encore. C'est un sacré foutoir, je dois vous avouer là. Ouais, voilà, on voit la nourriture qui commence à descendre. C'est un petit peu, c'est un peu risqué. J'ai comme l'impression qu'on va avoir des petits soucis. Là, il n'y a toujours pas assez de nourriture. Hein. La taille maximum du troupeau, ouais, d'accord. Ok. Alors, là, on va peut-être ralentir un petit peu. Je vais passer en x2, ça ira bien. Là, il faut qu'on réfléchisse. La nourriture, elle descend à une vitesse absolument monstrueuse. Donc, c'est pas bon du tout. On va faire un champ. On va faire des champs. Le plus optimum, c'est environ, c'est 14 par 14. On va faire deux champs, voilà. Parce que là, il y en a besoin. Il y en a clairement besoin. Là, on va réaccélérer un petit peu. Par contre, ça sera pas, évidemment, ça sera pas instantané au niveau de la nourriture. Il va falloir qu'on... Je croise les doigts pour que ça tienne une année. C'est pas sûr que ce soit le cas.
J'ai un peu peur. Bon. Là, c'est le temps que ça se mette en place. Bon, on va bien voir. Normalement, ça devrait passer, j'espère. C'est en train de récolter. Là, ça fournit toujours de la nourriture, des cuisses de poulet. On est bien à ce niveau-là. J'ai peut-être un peu peur que des zones comme ici ne produisent pas du tout assez. Pourtant, on a un cueilleur, une cabane, on a pas mal de choses. Mais j'ai vraiment un peu peur que ça ne suffise pas. Bon, on va accélérer en x10, parce que de toute façon, pas trop le choix. Ah, ça remonte un peu. Ça remonte un peu, mais vraiment, il faut que j'arrive à 15 000. Je préfère être toujours au maximum de nourriture. Parce que là, il y a eu tellement de naissances. 30 enfants, mais what the fuck, quoi. Bon, j'ai perdu un fermier, mais de toute façon, les fermiers, il va falloir que je les re-remplisse derrière. Une fois qu'ils auront tout ramené. C'est chaud, hein. C'est chaud, j'ai énormément de nouvelles naissances. Ouais. C'est... On a un pêcheur qui est mort. Alors, le pêcheur, par contre, c'est un peu plus tendax. Je préfère que vous soyez au maximum. 10 000, ça commence à remonter. Oh là. Forestier, bûcheron, j'en ai perdu deux. Et oh! Ils sont tous en train de me claquer dans les doigts! Ok. Ah, il y a eu plein de morts d'un coup là, pouf! Ils ont tous clamsé, boum! Au moins, ça résout un petit peu une partie de mon problème de nourriture. Alors, des pommes de terre et des courges. Ah ouais, d'accord. Là, j'ai besoin d'énormément de maisons, en fait. Hein. On va faire construire ça. On va rapidement les faire construire. Deux maisons supplémentaires. Je vais regarder un petit peu. Là, tu me dis 43 maisons pour 42 familles. Ouais, non, on est bien. En termes de maisons, on est bien. Par contre, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'instruits, étant donné qu'on a recruté des nomades qui, eux, ne sont pas instruits. Du coup, voilà. Méfiance. On remonte à 11 000. On est bien. Donc, ils me finissent les maisons. Comme ça, on aura un petit peu de marge. Parce que là, évidemment, quand les étudiants sortiront de leur école, ça va être une autre paire de manches. Et je pense que là, il faut qu'on se concentre sur une... Ah, commerce. Poulet, non, j'en ai déjà. Il faut qu'on se concentre sur une nouvelle zone de forestière. Genre par là. Un truc comme ça. Mais je vais d'abord, avant toute chose, faire une route de pierre là-haut. Histoire d'être un peu plus tranquille. Que ça aille un peu plus vite. Allez, c'est parti. Ça va être un peu long, mais ils vont le faire. Donc là, on est plutôt pas mal. Là, ils vont faire pousser de la nourriture. Normalement, la nourriture devrait aller. Donc, je les mets à 26 sur 26, comme ça, on est tranquille. On est à plus de 10 000 de nourriture. On est bien. On a combien de population? Nous avons 123... Ok, d'accord, 123 villageois. Sachant qu'ils mangent environ 120 par personne par an, je vais monter à 16 000. Il me faut beaucoup plus de nourriture. C'est pour ça qu'il me faut carrément une nouvelle zone de travail. Là, c'est je pense un moment critique dans le jeu. C'est vraiment où il faut continuer l'augmentation de la nourriture, de tout ça. Il faut vraiment que je travaille ça, parce que sinon on va pas y arriver. Donc je vais mettre plutôt par là. Je pense qu'ici on est bien. Il y a des naissances. Donc là, je vais mettre une maison, deux maisons, un chasseur. Ici, on est bien. Je vais le mettre en face. Merde, non! Pourquoi j'ai mis une maison en bois? Ah, merde! Ah d'accord, ça a été déconstruit, c'est bon. Ouf. C'est où? Cabane de chasse. Ah voilà, c'est des meilleures tailles. Je me disais aussi, c'est un peu bizarre. Ok, ici c'est bon. On va faire une route de pierre. Parce qu'on a tellement de pierre, autant en profiter.
tout. Ok, là on est plutôt pas mal. Je vais mettre un stockpile d'ailleurs, un petit endroit pour stocker des trucs. Il est où? Un stockpile de 9 par 9, ça va très bien. Ok, on balance. Vas-y, construis-moi des trucs. T'es tout seul, mais tu vas me construire des trucs. La nourriture, on est plutôt bien. Oh, 31. What the fuck? Je vais mettre un tailleur supplémentaire parce que j'ai comme l'impression qu'il galère un petit peu tout seul le tailleur, mais on va attendre qu'il y ait un nouvel étudiant qui sorte. Ouais, 218, c'est pas exactement ça. Je pense que je fais bien. Ah d'accord, mais toi d'abord, c'est quoi? T'es le bâtisseur? Il va devoir se taper la route d'abord. Bon. Je pense que je vais laisser tourner un petit peu le jeu comme ça. Je vous reprends s'il y a un gros souci et que je dois faire quelque chose. Mais pour l'instant, on va laisser tourner et on va faire en sorte que ça soit fini. Bon, alors, je vous reprends alors qu'il n'y a encore rien qui est fait. Bon, il y a la route qui est en train de s'être faite. C'est un peu long, en fait, c'est pour ça. Même si j'ai mis deux bâtisseurs, c'est vraiment long. Je vous reprends parce que j'ai récupéré un mouton grâce à un marchand. Du coup, ce que je vais en profiter, c'est pour faire un nouveau corral. Est-ce qu'il y a un passage ici? Oui, j'ai mis un passage. Je suis intelligent. Vous avez vu comment je suis intelligent? Hop. Un petit pâturage. Ça me coûtait du bois, mais bon, tant pis. De toute façon, j'en ai plein du bois. Et hop, je vais mettre un accès ainsi qu'une maison. On est à 47 maisons à l'heure actuelle. Enfin, 47. 46 familles pour 45 maisons. Donc, je pense que je peux en mettre une de plus. On en a largement assez. Attendez, hop, je me gratte. Hop, voilà. Si vous n'avez rien vu, rien entendu. Il ne s'est rien passé. J'ai mis un tailleur supplémentaire parce que sinon ça galérait un petit peu trop. Les outils, peut-être que ça va galérer, mais de toute façon on est prêt. J'ai un deuxième atelier d'outillage. Là, ils ont bientôt fini cette route. Ce qui serait cool. Et merde, j'ai perdu un chasseur. Le chasseur va revenir. Sachant qu'au niveau de la nourriture, on est bien remonté, on est pas mal. C'est pas autant que ce que je voudrais parce qu'il y a beaucoup de naissances. Du coup, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de... Enfin, voilà, il y a des étudiants, il y a des naissances, bref. Bref, c'est vraiment la galère en ce moment. Donc j'aimerais bien que ce soit vite fini. Hop. Vous voulez pas finir ça? Non, t'en reste un! T'en reste un! Bon, je sais pas trop ce qu'ils foutent, mais ils font. Ils font des trucs. Ah oui, ils enlèvent ça aussi, ben, bref. J'ai l'impression que ça bosse quand même pas mal. Je vais laisser tourner et puis je vous reprends évidemment s'il y a un problème. A tout de suite. Ok, je vous reprends parce que... 17 nomades, allez! Toujours plus! Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les accorde ou pas? Parce que j'ai 50 familles et 46 maisons, c'est... 17 nomades, ça me paraît un petit peu tendax. Ça me permettrait d'augmenter encore les effectifs, mais... Je sais pas si j'arriverai à tenir. Peut-être que non. Peut-être que je vais dire non. Voilà, je vais dire non parce que c'est un peu tendu. Je trouve qu'on a trop accepté. C'est bien pour les boosts démographiques quand on est en baisse. Mais actuellement, si on regarde les graphiques, c'est complètement en train d'exploser. Si on fait ça sur 50 ans, oui, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu parti en couille. Du coup, je pense qu'il faut qu'on relâche un petit peu le... On va faire un discours de l'extrême droite. Voilà, on va dire il faut annuler l'immigration clandestine, c'est pas bien. Encore que là, ils sont gentils, ils se présentaient à l'hôtel de ville. On les renvoie, ils ont pas de visa, machin. C'est dégueulasse, mais tant pis, on peut pas les gérer à l'heure actuelle, ou en tout cas, moi, je suis pas sûr de pouvoir les gérer. Du coup, tant pis. Alors, nous avons trois travailleurs, sachant qu'ils sont en train de finir une maison ici, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Là, j'ai mis les moutons, évidemment. Là, il y a des naissances, et des naissances partout. Il y a des naissances de partout. Là, j'ai trois travailleurs. Hop, hop, hop. On va les mettre là-dessus. Construisez-moi ce bidule. Cette maison. Cette cabane de chasse. On va mettre un herboriste aussi, je pense. Non, peut-être pas un herboriste. L'herboriste, on est large. Une cabane de récolte, de cueillette. Je pense que ça peut être pas mal. Genre un truc comme ça. Hop, hop. Ça va se faire. On va bourrer un petit peu. Ça avance super bien. On est déjà à 45, sachant qu'on est presque à la moitié. Et puis, elle a de la gueule, notre ville. Elle commence à avoir de la gueule. Elle est peut-être un petit peu trop éparpillée, mais elle commence à avoir clairement de la gueule. Je trouve qu'on s'en sort vraiment plutôt bien. En tout cas, c'est très clairement la meilleure partie que j'ai jamais faite sur ce jeu.
Je pense que j'ai enfin réussi à comprendre un petit peu comment le jeu fonctionnait. Hop, on va passer à 18 000. Je préfère avoir toujours de la marge, hein, évidemment. Plein à 93%. Je pense qu'on refera une zone avec un marché par ici. Je pense que ça peut être pas mal. Juste ici, là, il y a les montagnes. Ensuite, on passera à travers les montagnes. On va continuer à se développer un petit peu par là une fois qu'on aura fini cette zone-là. On a une cabane de chasse qui est terminée. La cabane de chasse. C'est quoi la cabane? Chasseur. Là, il faut qu'ils construisent ça. On a des travailleurs. On a pas mal de gens. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Juste rapidement passer ici, vue d'ensemble. 53 familles pour 48 maisons. Oh, d'accord. Ok, ok, c'est bon, je vais en faire d'autres. On s'énerve pas, je vais en faire d'autres. Je vais faire de nouvelles maisons. Oh, tellement de naissances, tellement de... C'est un foutoir. Je vous assure, c'est actuellement un gros bordel. C'est assez effrayant, en fait. Ce que j'avais encore jamais vu, la dimension... Je suppose que c'est très régulier pour ceux qui arrivent à ce niveau-là régulièrement. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez normal. Mais pour moi, j'avais encore jamais vu cette dimension-là du jeu où ça devient vraiment une sorte de SimCity, un petit peu. Un truc où la gestion passe vraiment au premier plan. Mais la gestion de groupe, pas la gestion de seulement 2 ou 3 Pékin. Vraiment, c'est... Où là, tu sens qu'il faut... Il faut gérer tout le monde en même temps pour arriver à faire quelque chose. Il y a un bateau, mouton, vache, c'est bon, j'en ai déjà. D'ailleurs, si on regarde ici, acquisition, on a pas mal de trucs déjà. On a vraiment pas mal de trucs, c'est cool. C'est particulièrement cool. En plus, on est en grande majorité des instruits. Et ça, c'est très bien. Oh, merde, le combustible, je suis très faible. Oula, bordel à queue. Qu'est-ce qui se passe? Pause. Comment je peux régler ce problème? J'ai perdu... Ils sont où? Bûcheron, non? Ah, fuck! Ah, d'accord. Je pense que trop de maisons tuent les bois de chauffage, les forestiers. Enfin, les bûcherons. Ça m'a l'air un petit peu tendu. Ok, c'est la fin de l'hiver, va falloir que je m'en occupe. C'était pas prévu, ça. Hein. Ok, donc là, c'est le gros souci de l'heure actuelle. C'est vraiment ce bois de chauffage. Voilà, on a des problèmes, ça y est. Peut-être qu'il faudrait que j'améliore un petit peu les maisons aussi. Allez, construisez-moi ça, s'il vous plaît. On n'a plus du tout de bois de chauffage, hein, merde. Heureusement qu'on a des manteaux et tout, des maisons. Parce que sinon, ça serait vraiment la galère. On commence à avoir 9 vaches, on est bien. Bon. On a qu'ils me finissent ça rapidement. Qu'on puisse avoir de nouveau du bois de chauffage. Parce que là, ouais, c'est vrai, on n'a plus rien. On n'a plus rien du tout. Il y a tout qui est parti. On a des travailleurs en masse. Bon. Ok. Ah la vache, c'était pas prévu. C'était clairement pas prévu. Il faut que ça remonte. On est à la fin du printemps. Allez, construisez-moi tout ça, s'il vous plaît. Traînez pas. Alors, la maison, elle va bientôt être finie. Ok. Trop de naissance. Je pense que j'ai peut-être un petit peu exagéré... En termes de population, je pense que l'augmentation est trop importante. J'ai du mal à gérer, ou alors je suis juste nul aussi, ça peut arriver. Je suis peut-être très nul aussi. Par contre, ils ont pas envie de me construire ça, hein. Non, c'est... Pas envie. Flan, flan, flan.
Merde, j'en ai besoin de ce bois de chauffage, moi, putain. En plus, je deviens vulgaire. Alors, ça, c'est le bord de la map. Bon, bah, voilà. Je vais attendre encore un peu et je vous reprends s'il y a un souci. Je vais essayer de corriger cette histoire. Bon, je pense qu'il est temps de faire un petit peu le bilan de cet épisode. Donc, on est passé à 52 maisons pour 60 familles. Allez, toujours plus quand tu... les mecs sont énervés. Donc, 158 villageois, on est presque à 200. C'est clairement la meilleure partie que j'ai jamais faite. Très clairement et de loin. Et donc, au niveau de la production, on est plutôt bien. En termes de nourriture, on est à 1608. Donc, on est vraiment pas mal. Par contre, on a une consommation qui est supérieure à ce qui est prévu. Mais, déjà, non seulement j'ai récupéré des graines de citrouille, j'ai récupéré plein de trucs. Les pommes de terre, j'ai pas les graines de maïs. On va mettre des graines de maïs. Hop, on va profiter. Je vais passer à 1000 poissons. Ok, et là, je vais mettre 300, évidemment, comme d'habitude. 300, pas 200. Ah merde, y'a pas tout. Ok. Non, on va mettre les 500. On reste 400 à mettre. 400. Ok, nous avons des graines de maïs. En plus, on a plein de graines différentes. Bah, les pâturages, il a pas l'air d'augmenter. Peut-être que j'aurais dû acheter un deuxième mouton parce que ça a pas l'air de fonctionner tout seul. Là, on est à 13 sur 15. En fait, on ne fournit. Il n'y a pas encore eu de récolte parce qu'on est. On est quasiment au maximum. Mais une fois qu'on aura atteint le maximum, en fait, les excédents vont être vendus, vont être transformés en nourriture. Du coup, là, on sera bon. Là, en plus, il va y avoir la récolte des. Voilà, c'est en train de récolter, donc ça va remonter. Bref, je pense qu'on va être plutôt pas mal en termes de nourriture. J'ai fait une maison en pierre, histoire de regarder. En fait, il faut détruire la maison et la reconstruire derrière. C'est un petit peu relou, mais c'est faisable. Mais le problème, c'est que ça vire une maison pendant un moment. Là, j'ai fait deux maisons supplémentaires. On a perdu les deux enseignants d'ailleurs, mais ils sont revenus. Enfin, ils sont revenus. Comme j'ai tellement de travailleurs, on est tranquille. D'ailleurs, hop, hop. Donc voilà, ici c'est mieux parce qu'en fait, il y avait beaucoup de cueilleurs qui étaient du côté de... Qui était de ce côté-là et c'était un peu bizarre, je comprenais pas trop pourquoi. Bah, y a d'ailleurs toujours des cueilleurs et des chasseurs de ce côté-là, ce qui est un peu chiant. Mais bon, on arrive à un truc plutôt pas mal à l'heure actuelle. Je vais jouer un petit peu encore dans mon coin, essayer de voir s'il n'y a pas des petits problèmes. La quantité de combustible, normalement, on est bon. Je vais peut-être l'augmenter encore un peu parce que là, ça continue d'augmenter. On est bon. On va continuer de se développer dans le sud du village dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé, à partager la vidéo, tout ça. Sachez aussi cependant que évidemment j'enregistre tout à l'avance. Et que si je fais des conneries, ben vous ne pouvez que rager. Voilà. Et puis voilà, sur ce, je vous retrouve évidemment dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.